qui me plaît dans mon métier, c'est le fait de prendre soin des animaux que nous élevons, d'une part. Également donc de faire évoluer la structure autant sur des aspects de type bâtiment que des aspects environnementaux, mais également de travailler avec d'autres personnes, d'autres acteurs, des collaborateurs. Et voilà, c'est tout cet ensemble de choses-là qui font que j'aime mon métier. Donc Jean-Christophe Bernard, 31 ans, installé depuis 4 ans. J'ai obtenu un BTS d'analyse et de conduite des systèmes d'exploitation à Montfort-sur-Meu près de Rennes, durant lequel j'ai passé 6 mois donc à l'étranger. Donc à l'issue de cette formation, j'ai été salarié sur l'élevage familial pendant 1 an. Et après quoi, par volonté personnelle, je suis reparti à l'étranger, donc en Pologne, pendant 1 an. On repasse peut-être les parcelles par une par une. Alors le fait de partir en Australie et en Pologne, ça m'a apporté de voir tout simplement différents systèmes de production, découvrir également différentes méthodes de travail. Ça m'a également apporté une ouverture d'esprit plus large que ce que je ne pouvais avoir auparavant. La raison pour laquelle je suis revenu m'installer en France, en Bretagne en l'occurrence, c'est parce que je suis installé sur une exploitation de type familial. Donc c'est mon grand-père qui a commencé à développer l'exploitation, mon oncle et mon père par la suite. Et donc ça me bottait de faire perdurer l'exploitation et la faire évoluer. Aujourd'hui, l'exploitation, c'est 585 truies naissaires engraisseurs, 65 vaches laitières et 85 hectares de SAU. Sur l'exploitation, nous sommes 9 personnes, 4 associés et 5 salariés. Donc, avec ces 580 truies, nous produisons donc 30 porcs charcutiers par truie par an, et ce qui fait un global de 18 000 porcs charcutiers produits à l'année. Les bons résultats de l'exploitation s'expliquent par une bonne technique d'élevage, donc l'expérience des associés, et également par les soins apportés au porc. On se débrouille pas mal au niveau technique. C'est d'ailleurs, en 2008, nous avons été nominés cochon d'or donc au SPAS à Rennes, donc, qui est un prix national. Que je fais parce que j'aime le cochon, parce que j'aime la zootechnie, j'aime aller au-delà des performances, autant économiques que techniques. Je fais évoluer mon métier par notamment la consommation de matières premières que je produis sur l'exploitation et collectées dans les environs, également par des évolutions environnementales. Qui plus est, je suis amené personnellement à déléguer, donc à embaucher des salariés. C'est quelque chose que j'apprends et qui me tient à cœur. C'est un métier que l'on vit avec passion et il est passionnant par l'aspect animal, par l'aspect du soin à apporter aux animaux.